young at heart. We're still dreaming, eyes wide open. Eh bien, salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous êtes tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Madventure. Alors premièrement, merci beaucoup pour vos retours comme d'habitude du dernier épisode, ça fait super plaisir. Alors avant de commencer cet épisode, je voulais juste regarder un truc. Je vais juste regarder un truc vite fait dans la salle privée. Éventuellement, on ne sait jamais s'il y a quelqu'un. Ah bah non, bah désolé pour le faux espoir, il y a personne. Non mais je voulais faire genre qu'il y avait quelqu'un encore, mais en fait il y a personne. Bref, aujourd'hui nouvel épisode de Madventure. Juste un truc, je ne sais plus qu'est-ce que je voulais dire. Ça commence bien, j'ai pas mal de choses à dire et du coup j'ai complètement oublié. Ah oui, alors regardez déjà le champ de blé, on l'a un petit peu avancé, c'est pas ouf non plus, mais regardez, ça commence à prendre forme, ça commence à être joli, j'ai envie de dire. Je pense qu'on peut le dire, ça va avoir de la gueule. Pour ce truc là, je vous expliquerai, il faut absolument que je vous explique pas dans cette vidéo. C'est très important pour la suite de notre aventure, vous comprendrez pourquoi. J'ai prévu des trucs qu'on m'a proposé sur Facebook, et du coup, je peux pas vous en parler en vidéo. Mais de toute façon, dans un épisode, vous allez comprendre qu'est-ce que c'est que ça, vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ça et qu'est-ce qui va se passer, bien évidemment. Voilà. Par contre, pour le champ de blé, c'est plutôt cool. Juste pour répondre à une petite précision, au niveau du ressource pack, oui, dans le dernier épisode, je n'avais pas de ressource pack, c'est pas un oubli. En fait, c'est volontaire, c'est juste que des fois, j'aime bien ne pas mettre de ressource pack, bah parce que c'est tout aussi joli, hein, ça rend un petit peu le jeu un petit peu à l'ancienne, et c'est pas plus mal. Sinon, au niveau du shader, il y en a qui se plaignaient, entre guillemets, qui faisait trop mal aux yeux. Personnellement, ça me fait pas trop mal aux yeux. À la limite, quand il fait nuit ou quand on est dans les grottes, c'est peut-être dérangeant. Mais là, en journée, je vois pas en quoi ça fait mal aux yeux. Donc, je suis désolé à ceux que ça ferait mal aux yeux, mais il n'y a pas vraiment de raison que ça fasse mal aux yeux. Donc bon. Du coup, pour cet épisode, alors déjà, on va appeler quelques abonnés. Alors, on va éviter d'en appeler trop parce que j'ai remarqué que ça plaît pas à beaucoup de personnes de trop en appeler. Juste un truc, je sais pas si vous remarquez, mais les vitres vertes là, avec le shader, ça rend super bien fait. C'est plutôt. Enfin, j'aime bien le style là. On est d'accord que ça fait stylé, ça fait un peu réaliste, mais un peu stylé. Alors que en haut, avec les vitres normales, ben c'est pas. On voit. Bah, normalement. Donc maintenant, je me tâte à mettre des vitres vertes à chaque étage. Au début, quand on avait fait la maison, que j'avais pas de shader, tout le monde était contre, parce que forcément, quand on n'a pas de shader, c'est moche. Mais avec le shader, ça rend un style, donc bon, ça peut être plutôt sympathique. La cobble, j'ai plus de place pour mettre la cobble, ouais. Donc on va mettre la cobble dans la poubelle, bien évidemment. Super, c'est génial. Du coup, alors, aujourd'hui, on va essayer de faire un objectif, on va regarder quoi. Je vous avoue que là c'est un petit peu, j'y vais un petit peu au talent aujourd'hui hein. Farmer 12 CD, ouais bon ça c'est faire une salle sous-marine ben... Ah oui donc ça je dois faire en... Alors attends je sais plus, je l'ai pas fait. Mais je l'ai pas terminé, il fallait encore que je... Je sais plus ce que je dois faire. Ah oui, de la laine bleue, faut que je fasse de la laine bleue. Ok bon on fera ça en off. Faire une salle simple pour pêcher. Ben non c'est ça. Ah non, la salle sous-marine, non d'accord, c'est le truc pour pêcher les poissons que je vois de quoi je parle, ok, bon je dis n'importe quoi. Faire une salle, ah mais alors ça il faut vraiment qu'on fasse ça. Ça c'est un truc qui est un petit peu chiant à faire, mais bon, on verra quand on le fera, faudra vraiment le faire quand on est posé. Là j'ai vraiment envie de faire un truc genre, faire une ferme à blé immense, donc ça on est en train de continuer de faire. Faire un mini volcan, donc ça c'est fait, avoir une armure chainmail, faire un passage à la maison. Ajouter une cheminée à la maison, créer un mini biome de neige, ah oui alors ça il faudra qu'on le fasse. Alors je rajoute à ça le biome désert que j'ai commencé ici. Mais il faut vraiment pas que je vous raconte ce qu'il y a, parce que là vous voyez il y a des trucs bizarres là, il y a des limitations cheloues, je sais pas quoi, j'ai pas compris etc. Vous inquiétez pas, vous verrez ça dans un futur épisode. C'est normal, j'ai prévu un truc, mais comme n'importe qui peut tomber sur cette vidéo, bah toute surprise serait gâchée. Je sais pas si les gens peuvent comprendre ce que je veux dire, mais si vous avez compris ce que je compte faire, s'il vous plaît ne dites rien en commentaire parce que c'est censé être une surprise et j'aimerais faire un coup incroyable. Voilà, du coup attends, on était où? Ici. Faire des routes, ça c'est bon. Faire le drapeau, ah oui alors, j'aimerais bien faire ça. Faire le drapeau français et faire un bouclier avec bannière de la France. J'aimerais d'abord faire le drapeau français. Enfin, non, maintenant je sais pas. J'aimerais bien faire la bannière de la France. Comment on fait une bannière déjà? Je sais plus comment on fait une bannière, je vais vite faire regarder sur Google, hein. On va vite fait se renseigner, j'ai deux écrans. Bannière Minecraft. Juste pour voir comment ça se craft, hein, c'est vite fait, vous inquiétez pas. Donc comment crafter une bannière? Crafter le drapeau. Donc il faut, ouais, il faut 6 laines déjà. Donc 6 laines. Ah oui, alors on peut faire ça avec des strings, bien évidemment. Avec des ficelles, excusez-moi. Ah mais j'en ai déjà assez en fait. J'ai dit des strings, je suis quand même un fou moi.
Hop, on va mettre ça là. Non, pas de place, on va mettre ça là. Et ah oui, il faut un stick. J'ai pas de stick. Je dois avoir un stick là. Non. J'ai pas un petit stick qui traîne, genre. Attends. C'est pas normal ça. J'ai pas. Ah oui, mais là j'avais pas vu. Non, c'est pas ça que je veux, c'est ça. Voilà, merci. Voilà. Hop, super. Hop. Là je suis détendu, tranquille, j'ai envie de dire. Donc là voilà, on a une bannière. Du coup, ce que j'aimerais faire, c'est le drapeau français. Alors comment on peut faire ça? Parce qu'on peut voir, alors sur le site où je suis, je mettrai en description, on peut voir évidemment, on peut rechercher des thèmes, donc je vais taper France pour voir s'il y a des drapeaux français, top. Ah, bon on va prendre un truc de base, hein. On va pas, ouais ça c'est joli. Donc pour ce faire, alors il faut des colorants rouges. Ah mais évidemment moi j'ai, ah, ici j'ai. Donc comment ça marche? Donc c'est la première fois que je fais ça, hein. C'est vraiment des tests. Enfin une fois j'avais dessiné un pénis mais bon c'était compliqué. Bon on met ça là, non mais c'est vrai en plus l'anecdote, il faut faire ça. Voilà, donc là déjà on a le côté rouge, normalement. Ensuite il faut du lapis, le lapis ça c'est nickel, on a ce qu'il nous faut, voilà. Donc on met ça là et on met ça là, donc déjà là, on est pas mal. Ensuite qu'est-ce qu'il faut faire? Ah il faut rajouter une deuxième couche, d'accord. Donc il faut encore du lapis. Bon très bien, 1, 2, 3 de nouveau. J'ai pas compris pourquoi, je vais ramasser ça après, hein. Hop. Ah oui c'est pour mettre plus de... Vas-y le charbon tu retournes dedans. Ouais mais du coup moi il me manque encore un colorant rouge. Ah c'est con ça. J'ai pas d'autres colorants rouge. Bon au pire c'est pas grave, c'est pas dérangeant non. Attends par exemple si je le mets là. C'est joli, c'est bon. Comment on casse? Voilà. Alors maintenant comment on fait ça pour le mettre en bouclier? Parce qu'à la base c'était ça. J'essaye de me convertir en bouclier. Attends, c'était ça l'objectif à la base. Attends, je vais quand même vérifier. Et faire un bouclier. Voilà, avec bannière de la France. Donc pour ce faire, il faut faire quoi? Il faut donc un bouclier. Bon, on a un bouclier. Je sais pas où il est d'ailleurs. Il est où le bouclier? What? Merde, j'ai mis où mon bouclier? Non, je l'ai mis où? Ah, il est là, pardon, excusez-moi. Donc on prend le bouclier. Ah oui, il faut mettre ensemble en fait. Ah oui, il faut faire ça sur une table de craft, c'est important. Donc ça là et ça là, c'est ça. Nickel. Oh, c'est nickel. Oh, c'est génial. Enfin, c'est pas ouf non plus, mais attends, on va se mettre à la lumière pour un petit peu mieux voir. Attends, attends, côté lumière, côté soleil. Ouais, c'est pas ouf non plus, hein. Mais non, si c'est stylé en vrai. Le drapeau bleu, blanc, rouge et tout, et voilà, tu m'as compris. C'est génial. Maintenant, du coup, faut encore faire le drapeau français. Donc pour ça, ça va pas être très compliqué, étant donné qu'on a quand même pas mal de laine. Mais par contre, alors on a aussi pas mal de lapis, ouais c'est cool. Seul souci, c'est ouais les colorants rouges. Comment on fait? Alors attends, de nouveau, colorant rouge, Minecraft. Bien évidemment, hein, puisqu'on est sur Minecraft. Attends, est-ce que tout enregistre d'ailleurs? Oui, voilà. Colorant, on va vite fait checker, ne vous inquiétez pas, ça prend 2 secondes. Donc pour ça, il faut soit du coquelicot, soit du rosier. On peut pas faire ça autrement, genre... Ah si, on peut faire ça avec de la betterave, des tulipes rouges, ouais. Ou en faisant chauffer des champignons rouges. Ça c'est bon à savoir, je ne savais pas. Et je crois qu'on a des champignons rouges au passage. On en a pas là. Ah mais attends, mais j'ai déjà des poppies, mec. J'avais même pas vu. Au calme. J'avais même pas vu, bah attends, on va tout convertir. Ah, le soleil se couche déjà, c'est pas possible. Attends, ça fait déjà combien de temps qu'on est en vidéo? Ah oui, d'accord. Ok, du coup, oui, bah on va faire ça. Du coup, pour ça, il faut faire comme ça, non? Ok, donc il en faut 3. On va faire un truc de 3, hein. On va pas se casser la tête. 1, 2, 3. Enfin, de 9, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Où c'est qu'on va mettre ça par contre? Du coup, ça, je n'en ai aucune idée. Attends, est-ce que j'ai des barrières? Je sais comment je vais faire, mais je sais pas où. Ouais, on en a. Peut-être en faire encore un petit peu plus. On sait jamais. On va aller dormir de toute façon pour faire ça de jour. Hein. Hop là. Hop. Ah, mais attends, comment on fait des barrières de nouveau? Parce que c'est plus pareil. C'est plus comme ça, je crois. Ah, c'est plus comme ça, il faut faire ça, non? Non, c'est pas ça. Oh là là. Ah oui, il faut mettre ça là. Et ça sur les côtés, c'est ça? Voilà. Bah attends. Voilà. J'ai tout compris. Ok, on va aller vite fait dormir, bien évidemment. Hop là, on va dormir tranquillou, à la cool, à la tranquillade. Oui, du coup, le serveur maintenant est ouvert à mes acolytes. Hein. Du coup, même en pleine vidéo. Il se pourrait que quelqu'un join. Voilà, il se peut que Toonfou rejoigne le serveur, etc. Donc, bien évidemment, on fera en sorte d'être en vocal ensemble parce que ce serait quand même plus sympathique. C'est quoi ça? Pourquoi il y a des particules de feu là? On ne dit pas qu'il y a le feu. Attends. Mec, il y a des particules de feu? Attends.
Pourquoi il y a des particules de feu? Bah, je comprends pas. Ah, ça doit être ça. Ah oui, c'est ça. D'accord, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il y avait le feu. Ok, donc les loups, ils sont toujours là au passage. Ça, c'est super. Oui, du coup, merde, il faut remonter. Parce que c'est là où je voudrais le faire, le drapeau. Du coup, on va le faire là-haut. On va même le faire tout là-haut. Voilà, comme ça, ce sera plutôt sympathique. Bon, ça va être à mon avis dégueulasse. Mais c'est un essai. D'abord, on va essayer de... Alors le problème c'est qu'on peut pas faire au milieu, ça m'énerve. Alors on pourrait le mettre déjà à droite, ça c'est quand même une certitude. J'ai pas des blocs sur moi. Putain, j'ai pas de blocs sur moi pour monter, ça va être... Oh ça va être chiant ça. Bon on va y aller, et autant faire quelque chose d'utile, on va prendre les patates, voilà. Je fais plusieurs trucs en même temps, je suis polyvalent, je sais, c'est mon talent bien évidemment. Mais voilà, autant faire des trucs utiles, parce que après on aura plus de bouffe. Donc voilà, plantons les patates. Je vais manger du pain parce qu'après ça va me faire manger des patates, j'ai pas envie. Voilà. Allez, c'est parti, mets-moi tout ça. Voilà. Tac, 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 plante-moi les patates. Super. C'est bon, nickel, on ramasse les patates là. On va les faire cuire et du coup on va chercher des blocs en même temps. On va essayer d'appeler aussi des abonnés. Je reçois des notifications, c'est maintenant que je réalise. Par exemple, il y a Zenithilia qui me met hello, il y a Chris Coaster qui me propose de faire un rush. Bon, du coup, attends, c'était quoi que je voulais faire? Oh, ah oui, des blocs, je voulais des blocs, et je voulais faire cuire aussi, donc là j'ai fait cuire du fer, donc ça, voilà, le fer, il va là. Allez, c'est parti, on va faire ça, mais non, mais n'importe quoi. Bah, qu'est-ce que ce bordel là? Potato. Ah, voilà, d'accord, j'en avais trop, c'est pour ça, j'avais pas compris. Ok, c'est parti, on y va. Donc potato, on s'en fout, mes blocs ils sont là. Ok, c'est parti, on y va. Un peu compliqué, hein, on va pas se mentir. Bon, du coup, les appels d'abonnés, on va essayer de faire ça en fin d'épisode pour voir si ça vous plaît, pour voir si c'est peut-être mieux. Voilà, on verra, on va voir. Donc c'est parti, on va monter ça. On va essayer de le faire assez haut, mais de manière plutôt réaliste, à savoir ce que je ne sais pas faire. Donc on va se faire des petits échafaudages, bien évidemment. On va le faire de ce côté-là, je pense. Alors, comment faire le drapeau français, les gars? Est-ce qu'on fait bleu, blanc, rouge ou bleu, blanc, rouge? Je sais pas dans quel sens mettre. Parce qu'après, ça va dépendre de quel côté nous sommes. Alors déjà, on va commencer comme ça. Je vais casser ça pour avoir une idée déjà de... Voilà, déjà, on va faire comme ça. Alors attends, je vais juste sauter par-dessus. Voilà, je ressaute par-dessus. On va éviter de tomber. Bleu, blanc. J'essaie dans ce sens déjà. On verra comment ça rend. Parce que là, le souci, on est d'accord que ça fait rouge, blanc, bleu. Mais en même temps, de l'autre côté, ça fait bleu, blanc, rouge. C'est compliqué, hein. C'est compliqué, c'est compliqué. Le mieux, c'est qu'on voit le bleu, blanc, rouge de là-bas ou de là-bas. Ou alors, faudrait que je fasse des deux côtés. C'est une, ouais, c'est une solution. On va carrément faire ça en fait. Faut faire ça des deux côtés. Ce sera beaucoup plus simple. On va faire ça. On va carrément faire ça. Je vais sauter, hein. On va pas perdre notre temps. Autant profiter de notre cascade. Hop là, on y va. C'est parti. À la cool. Ah, parce que maintenant on va se mettre là. On va regarder le drapeau français. C'est plutôt cool. Alors on le voit pas vraiment extrêmement bien, mais c'est plutôt cool. Mais de l'autre côté, c'est un petit peu bizarre. Donc autant faire ça de côté. Je vais mettre d'ailleurs les patates à cuire ici. Du coup, pour ça, il me refaut des laines. Mais je pense qu'ils ont brouté entre temps là, les... Là, j'ai pas les cisailles sur moi, c'est une blague. J'ai pas les cisailles sur moi. Attends, mais j'ai combien de laine déjà? J'en ai 3, donc il m'en refaut 6. Il m'en refaut 6, j'ai pas des cisailles là. Elles sont là, nickel, elles sont là les cisailles. Donc on va les prendre directement. Ah, il y a Cédric Philippe qui m'appelle, on va répondre tout simplement. Hop là. Allô? Allô Cédric, bonjour, ça va bien? Oui. Ah bah c'est super, écoute, tu fais quoi? Je joue à Minecraft. Ah, tu joues à Minecraft, c'est cool. Bah là tu es en train de m'appeler, je suis en train de tourner un épisode de Madventure. Oh my god. Ah, oh my god, t'es content? Ouais. Ah bah c'est cool, alors je suis content que t'es content. Et du coup, t'avais regardé le dernier épisode de Madventure? Ouais, avec Lady Bird. Ouais, c'est bien, nickel. Ça t'a plu? Ouais. Ah bah c'est cool, ça fait plaisir. Tu veux dire quelque chose à YouTube, genre aux abonnés qui écoutent et tout? Coucou moi-même. Le narcissisme, magnifique. Non bah c'est sympathique. Bah écoute, message passé, coucou à toi-même alors. Et puis voilà, merci d'avoir appelé.
Bah écoute, bonne soirée, mec. Ouais, dans la dernière épisode, oui, oula. Oui. Il y avait une personne qui avait dit sur Titou, là, l'avant-dernier épisode. Oui. Ouais, c'est quoi la chaîne de Titou? Ils ont une nouvelle chaîne, c'est... attends, c'est iFroze et Pecoms, je crois. Il faut que tu tapes... ouais, iFroze et Pecoms. Ouais, ok. Je sais pas si tu vois comment ça s'écrit, même moi j'ai du mal, mais... Voilà, c'est la nouvelle chaîne de Titou et un de ses potes. Donc voilà, moi je fais de la pub. Tu peux le mettre dans la description? Ouais, je verrai, pour le mettre si jamais, ouais. On va faire ça. Okay. Bon, et ben, bonne soirée. Attends, t'es québécois? Ouais. Oh là là, c'est génial. Eh, y a de plus en plus de québécois, enfin, de plus en plus de québécois qui regardent mes vidéos, ça fait plaisir. J'ai reconnu tout de suite, franchement, j'osais pas le dire au début, mais j'ai reconnu direct. T'es Akinator. Je suis Akinator, en effet, je suis même Jésus. Voilà, bien évidemment. Oui. Bon, bah écoute, bonne soirée, mec, et puis merci à toi d'être abonné à ma chaîne. Salut. Ah, attends, bonne soirée, plutôt bonne journée, non? Ouais. Voilà, bah pour toi, bonne journée. Bon, bah écoute, ciao, mec. Ciao. Salut. Voilà, le contact était difficile au début, hein. Mais parce que c'est normal, c'est un Québécois. Faut pas oublier que. C'est pas que j'ai quelque chose au Québécois, mais c'est compliqué de se synchroniser parce que pour eux, c'est pas la même heure. Donc voilà, moi je suis peut-être motivé, mais à l'heure là, ils sont pas forcément chauds. C'est évident. C'est évident. Donc on a fait, voilà, le drapeau. Et je pense qu'on peut pas dire que c'est dégueulasse. À tous ceux qui diront que c'est dégueulasse, ben c'est pas très très gentil. Hein. Regarde, je vais sauter. Alors là, c'est peut-être pas le bon plan pour sauter. Voilà, je vais sauter là. On va se mettre là-bas pour regarder. Alors c'est sûr que si on regarde là, c'est pas très joli à voir. Mais bon, avec le shader, on voit pas grand-chose. C'est en contre-jour, donc ça va. Ça va, ça atténue quand même pas mal de petites choses. C'est vrai qu'en fait, on voit carrément rien, en fait. On voit carrément rien. C'est un peu plus compliqué. Mais voilà, on voit bien. On voit bien quand même. Non, non, si, on voit bien. C'est sympathique. C'est quand même un drapeau pas très réaliste. Mais au moins, vive la France, je l'ai fait, je suis content, voilà, pour le pays, pour la patrie, tout ça t'as compris. Et du coup, je vais même mettre objectif validé, même doublement validé, hein, globalement. Voilà, du coup ça c'est fait. Pour ce qui est du champ de blé, je continuerai en off, bien évidemment. D'ailleurs, s'il y a des acolytes qui se connectent et qui veulent le continuer, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, voilà. D'ailleurs, attendez, j'ai découvert un truc, faut que je vous montre, mais je pense que vous connaissez tous ce truc. Mais moi, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Je pensais que c'était un bug. Vous êtes d'accord que quand on monte l'escalier, bon bah voilà, on monte l'escalier. Mais en 1.10, si on met auto jump, et ben regardez la vitesse. Et regardez comment on monte super vite. Et c'est cheaté quand même, hein. On monte genre à une vitesse mais hallucinante, quoi. C'est limite de la téléportation. Et quand tu l'enlèves, on ressent directement que c'est moins vite. Voilà, j'avais envie de montrer ça, mais je pense que vous le saviez déjà. Donc voilà, c'est plutôt sympathique. Du coup, au niveau des objectifs, qu'est-ce qu'on peut voir encore? Autant en profiter, hein. Avoir une armure en chain mail, faire un passage, ajouter une cheminée à la maison, créer un biome, faire des roues. Ok, donc ça c'est fait. Je vais pas vous mentir qu'il y a des trucs comme ça qui... Ah! Ok, on va faire un truc. Je l'avais dit dans le dernier épisode qu'on devait aller voir ça en plus. Donc, en colo, on va se calmer tout de suite, on va le faire. La laine, je peux pas la poser. On va acheter quelque chose, genre... line grey wool, non. La soul sand, ça sert à rien, voilà. Hop, on va jeter la soul sand, plutôt pratique la poubelle. Les colorants, le lapis il va là et ça va là. Le lapis il va aussi là. Les patates, hop là je prends, voilà. J'ai pas de truc pour faire chauffer. J'ai du charbon? Ouais, j'ai du charbon, nickel. Vas-y, mets-moi ça là. Les sticks, on peut mettre ça ici. Non, y'a pas de place, ici. Ouais, du coup on va aller prendre le portail du Nether. Justement pour aller découvrir ce qu'il y a dans la jungle. Puisqu'on rappelle que dans le dernier épisode, on a fait les systèmes de téléportation à travers le Nether. Ce qui est plutôt cool. D'ailleurs, faut que je vous montre. J'avais complètement oublié, les gars. Parce que ça fait un petit moment. Hein. Regardez, j'ai déjà commencé. Alors, je vais enlever le shader. Hein, juste pour vous faire plaisir, il n'y a pas de souci. Hein. Vous aimez pas le shader dans le Nether, on l'enlève. Pas de problème, je l'enlève. Voilà. Donc, ça rend complètement pas beau d'un coup, mais c'est pas grave. J'ai commencé. Alors, je vais pas y aller. Je vous avoue que j'ai risqué ma vie. On va pas se mentir. J'ai un peu commencé. Je m'en suis arrêté vers là. Et j'ai aussi fait... Je vais vous montrer là-bas. Mais voilà, donc en gros, ce sera un tunnel, vous l'avez compris, avec un bateau et de la glace. D'ailleurs, on m'avait dit en commentaire que pour récupérer la glace, j'ai déjà une pelle skill touch, donc ça doit marcher. Mais il me semble qu'on peut pas récupérer avec une pelle skill touch la glace. Il me semble qu'on doit récupérer avec une pioche skill touch. Donc voilà, ça change quand même pas mal de choses, bien évidemment. Voilà, c'est bizarre sans shader dans le Nether. Hein. C'est tout de suite moins beau. Hop là, on y va. On va faire gaffe aux trous, bien évidemment. Je vais garder les enderpearls sur moi si jamais je tombe, comme ça je pourrais toujours me sortir d'emmerde, enfin des emmerdes.
Du coup, regardez ce que j'ai fait. Là, vous voyez qu'il y a déjà un truc qui a été préparé. Alors, attends, c'est par où? C'est par là. Hop, on va passer par là. C'est un peu compliqué. Mais voilà, ce sera sécurisé, ce sera vachement cool et tout. Donc là, je continue en off, parce qu'en vidéo, je vous assure, hein, en vidéo, c'est vraiment pas top. Hein. Même moi, enfin, quand je le fais, je suis devant la télé, quoi. Je regarde la télé en soirée et puis je fais les trucs en off, quoi. C'est pas des trucs palpitants à faire. Enfin, palpitants à faire en vidéo, c'est dans le sens là que j'entends, bien sûr. Donc là, attention aux flammes, je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc là, vous voyez, j'ai fait là. Donc ça se relie presque, il me semble que ça se relie presque. Je les ai reliés. Il reste plus qu'à faire plus de protection et puis faire les murs. Donc globalement, le plus chiant, parce que là, c'était pas compliqué, hein. C'était juste dangereux. Donc mon chemin, il est là, regardez, je vais vous montrer, il est là. Voilà, c'est ce chemin-là. Hop là, on va y aller comme ça. Hop, 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 hop. On va le prendre, hein, bien évidemment. Là, c'est pas trop risqué. Alors, voilà, donc c'est là, hein. Vous avez compris. Il y a un gaz pas loin, donc on va pas s'y aventurer. Mais donc voilà, vous voyez que c'est vraiment pas loin. On constate là le chemin là qui est en train de se relier. Donc c'est pas exactement relié, hein, mais il y a une île intermédiaire, donc là-bas on pourra faire une pause à chaque fois. Enfin bref, je sais pas si vous voyez le délire, mais c'est pas très compliqué. Parce qu'on a la chance d'avoir dans un croisement une île du Nether intermédiaire. Donc voilà, donc c'est parti, on va se téléporter, on va y aller directement. Et puis voilà, on va aller explorer la jungle, hein, puisqu'on l'a... C'est les nouveaux chunks, voilà, ça va aller... Enfin, je sais plus parler. Ça dévoile des nouveaux chunks. D'ailleurs, oui, bravo, hein, un gros boulet, hein, moi qui avais oublié, bien évidemment, les blocs et le briquet. Hein. Mais bon, vous avez vu ça dans le dernier épisode. Hop, là, on y va. J'espère que ça fonctionne. Il fait nuit. Vite, vite, vite dormir, vite dormir, vite dormir, vite dormir, vite dormir. Voilà. Pas le temps de niaiser, parce que si les mobs spawnent, c'est un petit peu la merde. Voilà, nickel. Ok. Bonjour le zombie, tu vas crever, c'est pas compliqué. Voilà, hop là, t'es mort. Allez, meurs. Ah oui, c'est vrai, on peut pas spam click, je suis con. Ok, je vais juste remettre le shader si ça vous dérange pas, parce que quand même, le shader est quand même plutôt joli. Voilà, c'est celui-là, le SEUS V11, pour ceux qui veulent savoir. Hein. Il y en a qui demandaient. Donc, voilà. C'est quand même magnifique avec. Hein, Donc, c'est parti, on va explorer. Donc, c'est la jungle là. On va explorer la jungle. Ce qui pourrait être sympathique en l'explorant, c'est qu'on tombe nez à nez à un creeper, génial. Non, c'est qu'on tombe sur un monument. Enfin, tu sais, sur les temples. Vous voyez ce que je veux dire? Mais que, attention, dans les temples, il y ait des armures en chainmail. Voilà, ce serait plutôt sympathique. On serait plutôt pas mal. Ça avancerait l'objectif. Voilà, il est beau quand même le drapeau de la France, là, sur le bouclier. Je suis pas déçu de l'avoir fait, finalement. Au début, je me suis dit, bon, bah, on va le faire, on va le faire. Mais en vrai, c'est pas mal, c'est pas dégueu. Ça rajoute un style et voilà. Vive la France, bien évidemment, et vive le Québec. Je pourrais faire même le pays du Québec, je peux faire le pays de la Belgique, hein, je peux faire tout. Hein. C'est pas parce que je fais le drapeau de la France que je suis français et que je suis raciste et que je m'en bats les couilles des autres, hein, bien au contraire. Hein. Oh les gars, c'est juste que je suis fier d'être français, les gars, hein, c'est pas pareil. Hein. Ok, non mais c'est juste pour mettre les choses au clair, parce que des fois il y en avait qui disaient « Oui, on a l'impression que t'es raciste, que t'aimes pas les autres pays, je sais pas quoi. » Non, non, rien à voir. Hein. Bien au contraire. Hein. Ok, donc là je sais pas du tout vers où je vais. C'est vrai que j'ai pas pris les coordonnées du portail, ça c'est quand même le truc le plus con du monde à avoir fait. D'ailleurs vous avez vu dans le dernier épisode le fail, c'est un fail, hein, on va pas se mentir, le fail de montage, hein, globalement. Ce qui s'était passé c'est que je m'étais déconnecté du serveur et je voulais pas qu'on voie que je m'étais déconnecté. Et du coup il fallait que je fasse une coupure et puis j'ai pas fait la coupure, voilà, c'est génial. J'ai fait la coupure du trajet, mais quand je me suis déconnecté après... Eh bah évidemment, j'ai pas fait la coupure du « Ah mais on a vu que je me suis déconnecté, c'est pas crédible, machin. » Voilà. Hop là. Tout simplement. Du coup, pour le retour, en fait, il suffira juste d'aller tout droit, donc ça devrait pas être très compliqué. Ok, sympathique cette jungle, hein, ça me rappelle pas mal Crusoe. En vrai, j'aime pas trop les jungles. Moi, j'aimerais bien un temple. Oh, attends, il y a un villageois. Il y a un village PNJ. Attends, non. Si, il y a un village PNJ. Ok, c'était pas du tout ce que je voulais à la base. D'ailleurs, on marche vite dans l'eau, je le rappelle, avec nos bottes. Ça c'est bien, ça c'est bien. Donc la preuve que les nouveaux chunks sont générés, hein, puisque c'est les villageois, enfin les villages adaptés au biome. Donc on va pouvoir un petit peu explorer. Alors il me semble qu'il y a, ouais, il y a rien de nouveau, hein, en fait. Hein. J'aimerais juste voir, voilà, ce qu'il y a dans les coffres, ça peut être intéressant. Oh, il y a de la betterave. Il y a de la betterave. Putain, ça, les gars, séquence émotion. C'est la première fois que j'ai de la betterave, les frères. On a des graines de betterave et ça fait de la rose raide. Donc ça c'est plutôt cool. Mais c'est génial. Et je suis super content. Hein. Non, en vrai, je suis super content. C'est juste de la betterave, mais... Tiens, des carottes aussi. On n'a pas de carottes chez nous, quoi. Donc, tant qu'on y est, autant prendre. C'est vachement cool. Je suis content. Comme ça, on va voir ce qu'on va pouvoir faire avec la betterave. Étant donné que pour moi, c'est de la découverte, encore une fois. Je ne sais pas du tout ce qu'on peut faire avec.
Enfin, à part le collant en rouge, hein. Y a pas donc du coup un truc avec les coffres? Ah si, c'est là. J'aimerais voir s'il y a pas des trucs sympas dans les coffres. J'ai peur, attention, 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 suspense. Ok, on a un casque en fer. On va pas le prendre. Par contre, on a de l'obsidienne et un diamant. Donc ça, on peut pas dire non, très clairement, on va pas dire non. Il y a de l'eau, on va prendre un seau d'eau du coup, voilà, nickel. Donc là c'est sympathique. On va retourner, alors d'ailleurs il y a les chemins de terre, je viens de remarquer ça, c'est cool. Les villageois, qu'est-ce qu'ils échangent? Toi, qu'est-ce que tu échanges? Oh putain de sa mère, sharpness 4. J'ai déjà un sharpness 4 sur mon épée. Mais sharpness 4 plus sharpness 4, ça fait sharpness 5, non? 48 émeraudes, ah c'est un peu compliqué hein, à avoir hein, quand même. Mais attends, tu sais quoi, c'est sympathique, toi tu veux quoi, attends? Merde, fail. Toi, ouais, toi t'échanges de la merde. Toi, ouais, de la bouffe cuite, ouais. Toi, du papier, une émeraude. Fire Aspect 2. 19... Oh, ça peut être sympa, vraiment. Ça peut être sympa, même si on peut l'avoir en enchantant. Non, ça sert à rien, ce villageois. Hein. Il sert à rien, ce villageois, en fait. Au stade où on en est, on peut faire des enchants de badass, donc de toute façon, ça sert à rien. Ouais, ça sert à rien. Bon, du coup, on va retourner dans la jungle, parce qu'à la base, j'aimerais bien trouver un temple. Je sais pas si les temples sont nouveaux d'ailleurs, s'ils ont modifié ou quoi. Donc ce sera un petit peu une découverte en même temps. Mais c'est sympa en tout cas les nouveaux chunks. Hein. D'ailleurs, je le répète, hein, mais c'est parce que j'aime bien avoir le dernier mot et j'aime bien avoir raison. Mais même si je l'ai déjà dit et même si c'est confirmé, je le redis. Mais en effet, même si j'ai créé cette map en 1.8, en générant des nouveaux chunks, bah, ça fait les nouveaux chunks de la 1.10. Voilà, voilà, la preuve, vous l'avez en image. Il y a les betteraves, il y a les machins, ce qu'il n'y a pas en 1.8. Il y a les igloos, il y a tous les trucs là. Il faut juste générer des nouveaux chunks, c'est pour ça qu'on a fait ce portail de téléportation. Donc voilà, tous ceux qui disaient que c'était pas vrai, que je disais de la merde, etc. Eh bien voilà, vous avez tort. Non mais j'aime bien avoir raison, j'aime bien remettre les choses au clair. Bonjour les vaches, ça va bien? Ok, du coup... Bon, j'ai pas l'impression qu'il y a un temple. Mais bon, en même temps, la jungle a l'air quand même pas mal grande. Hein. À mon avis, on passe à côté de pas mal de choses. On passe à côté de pas mal de choses, ouais. C'est joli ici, hein. Franchement, je le répète, mais waouh. Eh, la miniature de la vidéo, frère. Hop là, voilà, c'est joli quand même. C'est vraiment super joli et super stylé. Ok, donc est-ce qu'il y aurait un temple par là? À tout hasard. Mais normalement, il y a un temple, hein. Dans chaque jungle, il y a un temple. Alors bon, à un moment donné, faut arrêter de déconner, frère. On va traverser l'eau, c'est joli. Vas-y, on se rafraîchit un peu. C'est rafraîchissant d'aller dans l'eau avec les shaders quand même. Je trouve ça rafraîchissant, je sais pas. Quand il fait chaud et tout, c'est pas mal. Il y a du melon. Est-ce qu'on prend du melon? Je vais quand même prendre du melon. Je sais pas si on en a à la maison, mais au cas où, pour faire de l'agriculture. Parce que maintenant on a de la betterave et tout. C'est pas un truc qui va nous servir à grand chose, sauf si vraiment c'est utile, à part à manger la betterave. Mais voilà, je prends quand même au cas où. Ça, c'est encore plus joli ici quoi. Mais la jungle est vraiment très grande, hein. On est en train de se perdre au passage. Je tiens quand même à le signaler. Je tiens quand même. Il y a de la canne à sucre, ok, ouais. Est-ce que je la prends? Non, je la prends pas, on s'en fout. Hein. On s'en fout, on s'en fout. Ok. Ah, là, il y a un désert. Alors, attends, on va aller dans le désert quand même. Putain, c'est bon ça. Là, c'est des nouveaux chunks et tout, ça, c'est plutôt cool. Oh, il y a de l'eau et tout. Ouah, c'est beau, c'est beau. C'est beau. Putain, c'est génial. Eh, franchement, les gars. Vous pouvez pas cracher sur ce shader, hein. Franchement, voilà, c'est magnifique. Y'a quoi là? C'est un désert ou c'est juste une petite île de sable? On va aller voir. Je contourne juste. Non, c'est juste une île de. Putain, la jungle elle continue encore là-bas quoi. Oh là là, mais c'est vachement grand. Bon, du coup, on va y aller. Ah oui, oui, d'accord en fait. J'ai juste contourné l'île en fait. Ok, on va y aller du coup. Bon, on va bientôt s'en arrêter là parce que j'abuse un petit peu sur les longueurs des vidéos, hein. je pense que vous l'avez remarqué. Par contre, ouais, ceux qui disent oui, t'abuses pour les longueurs des vidéos, les gars, je le rappelle, à la base, MadVenture, le nombre de fois que je posais la question si vous vouliez des épisodes longs, à chaque fois on me répondait oui, fais des épisodes longs et plus, enfin, j'aime beaucoup en fait faire des. Ah, il y a un temple et j'aime beaucoup faire des épisodes longs. C'est chiant au niveau publication YouTube, on va pas se mentir, hein, en 1080p, 60 fps, c'est lourd, ça prend du temps, ça prend de la connexion, mais j'aime beaucoup, donc voilà, j'abuse un petit peu, oui, mais voilà, un jour on va faire des vidéos d'une heure 20 là, je sais pas. Ok, donc c'est parti, exploration du temple. Hop là, ah c'est pas par là de nouveau. C'est pas par là, je sais plus où est l'entrée. What? D'accord, donc l'entrée est buggée, à mon avis. On va rentrer par là, hein,
des rebelles. Elle est pas du tout par là l'entrée. Ah mais elle est là l'entrée, je suis con. J'avais même pas capté. Ok, alors c'est parti, on y va. Bonjour. Alors est-ce que c'est toujours pareil? C'est toujours pareil le fonctionnement. Hein. Ouais, il y a toujours les pièges. Oh, énorme, le bouclier, il me protège. C'est plutôt cool. Ok, super. Il y a rien dans le coffre. À la limite de l'or, ça je prends. Peut-être du fer si tu veux. C'est pas ouf. Attends, je vais quand même prendre les flèches qu'il y a là-dedans. Parce que ça, c'est vachement pratique. Est-ce que... Eh, tu sais quoi, je vais faire quand même mon radin. Enfin, mon radin, comment on appelle ça? Je sais plus comment on appelle ça, mais je vais quand même prendre les flèches, les coffres, les redstone. Ouais, je vais tout prendre, je vais faire mon crevard. Par contre, il me semble qu'il y a un coffre encore là-haut, non? Là, genre là, ici, non? Il n'y a pas un coffre? Bah, ah là, il est là. Ouh, Diamond Horse Armor. Il y en a qui me demandent d'adopter un cheval. Donc pourquoi pas? Ça peut être sympathique, faudrait déjà qu'on en trouve un. Mais du coup oui, pourquoi pas, on a une armure en diamant, c'est vraiment stylé. Bon, dans cet épisode on a trouvé pas mal de trucs stylés quand même, hein. On peut se le dire. J'aimerais bien encore un petit peu continuer là. Bon, maintenant on a trouvé ce qu'on voulait, mais franchement la chainmail, n'hésitez pas en commentaire vraiment à me dire comment trouver des armures en chainmail. Donc l'armure, vous savez, c'est l'armure en maille en fait, hein, la cote de maille. Et ne dites pas que c'est introuvable dans les coffres. Parce que je me rappelle que si j'avais dit cet objectif là, si ça fait longtemps qu'on cherche, c'est parce que c'est possible. J'avais déjà trouvé dans des coffres de la chainmail. Sinon, on la trouve où? On peut pas la crafter normalement. Donc voilà, si vous savez, n'hésitez pas en commentaire à me dire. Sympathique cette grotte. Là-bas, ça mène à rien. Enfin, là-bas, il y a un... On va quand même aller là-bas, il y a un désert là, ça a l'air sympathique. On va traverser l'eau et on va dormir. On va quand même y aller voir. Je sais qu'on se perd, je sais qu'on fait durer l'épisode et tout, c'est vachement cool. L'eau, ça fait bouger un tabernacle. Mais... Mais en même temps, je me dis, voilà, bon, il y a peut-être aussi un temple encore dans le désert. Ça peut être sympathique. Là, c'est quoi comme biome, ouais. Bon, vous inquiétez pas, pour retrouver le retour, c'est pas compliqué. Je dois juste aller tout droit en arrière. Je pense que je le ferai en off, même si les gens vont penser que... Enfin, même si vous pouvez penser que j'ai cheaté. Ça m'est un petit peu égal, on va pas se mentir. Mais voilà, je le ferai en off. Allô, j'aimerais bien dormir. Fais pas genre qu'il fait pas nuit, parce que là, on commence à plus rien voir. Donc, si tu pourrais dormir... Il y a Xenox qui m'a écrit, salut, tu tournes une vidéo. Oui. Mais bon, on l'a déjà appelé je sais pas combien de fois en vidéo. Voilà, c'est bon, on peut dormir. Je vais me mettre en connecté sur Skype, hein, parce que sinon les gens ils vont pas oser. Hop là, c'est parti. On y va, exploration du désert. Peut-être qu'il est petit, peut-être qu'il est grand, je ne sais pas. Donc là on passe en appel d'abonnés. On va pas en appeler non plus énormément, hein. Mais voilà, là c'est la fin de l'épisode. Donc n'hésitez pas aussi en commentaire à me dire si vous préférez que les appels d'abonnés soient en fin d'épisode. Donc tous les deux épisodes bien évidemment. C'est peut-être un petit peu mieux pour faire avancer. Enfin voilà quoi, tu m'as compris. Ok, donc déjà c'est joli, j'aime beaucoup les déserts aussi, c'est joli, ça donne chaud. Enfin c'est surtout les biomes Mesa qui donnent chaud. Là encore ça va. Oh, c'est quoi ça? Ah non, j'ai cru que c'était un temple. En fait, je confonds le désert et la neige. Genre j'ai l'impression qu'il y a des igloos dans le sable. Ah, il y a un village PNJ encore, un nouveau village PNJ. Nickel. Alors c'est pas de la découverte, parce que ça existait déjà, il me semble. Dans le biome désert, oui, il y avait déjà des biomes comme ça, il me semble. Enfin des ouais. Tu m'as compris. Du coup, qu'est-ce que nous avons? Bonjour. C'est un peu le bordel chez vous, hein. On va regarder dans les coffres. Où c'est qu'il y a... Est-ce qu'il y aurait une maison de forge, hein? What the fuck? C'est bizarre ici. Oh, c'est sur l'eau et tout. What the fuck? Vous échangez quoi, vous? Ah ouais, c'est tout le temps la même chose, hein. Fortune. Fortune, ça sert à quoi? Fortune, c'est pour avoir plus de trucs, non? C'est pas très très intéressant pour le moment. Enfin, pour le moment. C'est pas très très intéressant. Y a pas de maison de... Où il y a un coffre. D'accord. Je suis déçu. Voilà. Je suis déçu. C'est une blague? Attends, bonjour, toi tu veux quoi? Ok. Ok, ouais, c'est complètement nul. Voilà, c'est un village nul. Je suis déçu. En vrai, je suis déçu là, pour de vrai. Genre, je m'attendais vraiment à un truc méga cool. Bah oui, il me semble qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'autre bâtiment. Aïe, le cactus. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a des structures bizarres, hein, générées aléatoirement. Bon, bah voilà, bah écoutez, c'est sur cette belle vue qu'on va se quitter. Regardez, on va se mettre là-haut, en haut de la colline. Bon, du coup, au final, on n'aura pas fait d'appel d'abonnés. Enfin, on aura juste répondu à un appel, hein. Mais bon, voilà, hein, écoutez, c'est pas grave, au contraire, ça permet de faire un petit peu mieux avancer. Oh là là, c'est beau! C'est beau! Bon, bah c'est sur ce paysage qu'on va se quitter. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fera super plaisir. Et puis je vous donne rendez-vous, pour de prochaines vidéos, pour un prochain épisode, tous les mercredis, tous les vendredis à 16h comme d'habitude. Et du coup, pour des prochains épisodes, j'ai prévu quelques petites surprises. Mais je n'en dis pas plus, vous allez bien voir. On va voir comment ça va se passer. Ah, voilà, on peut faire comme ça, on voit mieux le drapeau français. J'avais oublié. Nice. Bonjour, je suis la France. Bon bref, allez, c'était Mkolo. Ciao tout le monde.